Et bonjour à tous et bienvenue sur le sujet 9 de notre aventure suivi en RP. Donc je vais arrêter dans la grotte et je fais toujours le sujet de la sortie. Pour ma part, ben alors, salut à tous, salut à tous. J'étais en train de m'enfuir du Nether après m'être fait attaquer par des gars et des lave enragés. Il était rouge, il était en feu, c'était ça qui était en rouge. Donc tout est rouge ici. Mais à Paris, si tu parles. Oh, il y a certaines traductions, elles sont franchement à la moelle moelle vie, je sais pas. Ah oui, le soleil se couche. Super, je suis enfermé dans mon 10 mètres carrés, non 5 mètres carrés. En fait, faut pas que je... Bon, je vais essayer de remonter comme ça. C'est le docteur. Allez, on va aller. Ah, j'entends le tuyau. Tout bientôt sorti. L'armée, l'odeur. Et sur ce, pour ceux qui n'ont jamais fait un alambic et qui ont perdu leur sens d'ici, je vais leur montrer la recette. Un bâton de glace, qu'on ne transforme pas en cubes de glace, ça c'est pas autre chose. Les trois cobbles, bâton, on a un alambic. Bah c'est connu. Mais oui, c'est connu, hein. Ça va dire que je vais te rejoindre, je vais tout de suite apporter l'alambic que tu vas pouvoir faire une fois. Et hein? Faire quoi c'est pas aussi? C'est quoi c'est fou? Ah oui, ça c'est quand le creeper a pété! Oui! Donc là, je commence à faire que la vie parce que je n'ai pas mangé de plus à faire. Bon ah, bah, voilà, j'ai trouvé la mémoire. Ça fera surprise, Ben! Ben, je te dis. Ça fait un vote aussi. Il est où? Je suis loin de la maison, je trouve que je le ramène. Qu'est-ce que tu as fait? Oh, moi j'ai rien fait, c'est la faute des clients. Alors, il y a des magnifiques bangs du camp. Bangs du camp? Non, non. Et moi, tu me fais pas pareil. Ah! Tellement de fonctionne là-dessus. Hop, 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 qu'est-ce que je peux faire? Ouais, hop, je me mets en hauteur. On devrait pouvoir se faire du lit, dommage, il n'y a pas de grand dans la région. Je retrouve la maison parce que là... Il y a un creeper qui veut te faire un autre trou dans la maison. Non, j'espère que tu veux faire la maison. Oui. Ah, un poulet un arbre. J'adore entendre l'effet de ce que tu es en train de faire. Ah, j'ai l'impression que cet épisode, il va être un peu plus moumou. Ouais, il va être moumou cet épisode. Ah, je vais aller voir s'il y avait des... Je pense qu'il y avait bien des moumous. Bon, on va être en plus. Tu veux profiter, tu veux abuser de la mouton. Il va couler. Non, ça va bien faire. Ah. Non, on va trop souvent. Bon, on utilise une sorte de l'eau de la mer, mais en fait, c'est pas bien fort. Voilà. T'as de la triche! Ouais, mais là, c'est pas comme ça que c'est la triche. Ah, ok, bien là. Ils aillent se faire voir. Ils ah! Ben. Bon, plus sérieusement, moins 114. Pour le 8, c'est bien. C'est ça, ouais. Et le bled 131. Ok, donc je suis complètement à l'autre côté. Il est où les zombies? Il faut des ronflements de... du ronfleur alcoolique. Non! C'est vrai ça, ils font des bleds de ronfleur alcoolique. Ok, je suis plus seul. Ça fait penser au coucher de film d'horreur. Au coucher de film d'horreur. Elle est normale. Il s'est téléporté dans un arbre et il s'est cassé la figue. Eh ben, c'est une forêt que je vais traverser pour pouvoir retourner dans les rangs. Yeah! Yeah! Chaperon rouge! Et moi, j'avais en plus, car j'ai obtenu une perle d'Ender. Yeah, c'est super épique, c'est tout. Premièrement, ça nous permet de nous téléporter quand on la balance. Dans le 3D.
Oui, enfin, je suis sûr, c'est une téléportation, moi je trouve ça pas mal. Et encore mieux, ça permet de trouver l'Ender quand le combine à la fameuse poudre de blague. C'est ça que je suis sur le bouquin. Oui, oui. Oh. Ah ouais, ouais. Moi, je suis dans le temps. Je peux récupérer les hauts de perles. Je ne vois pas sur le petit... Enfin, un peu de poudre de blague. Et le ronfleur alcoolique. Vous savez vu pour les... Moi, je crois qu'attends. Qu'est-ce que c'est bon pour les gens? On va un peu de nouveau parce qu'il n'y a pas l'air de squelette et... Et j'ai envie sur la route. Moi, ça va toujours, quoi. Moi, je... Pour voir si dans le champ. Je crois que c'est des... Moi, je crois que c'est des... Moi, je crois que c'est des... Moi, je crois que c'est des... Je vais y arriver. Ah! Ah! Ouais, je cours à travers champ. Avec ma longue gueule. Enderman! Ah! Bien fait pour toi. C'est pas ce qui t'est arrivé, j'ai dit. Ça sera pas grave, j'ai dit. Ah, c'est pas grave. Par contre, il faudrait savoir qu'on a du... On va se dire, on va se dire. Là, on les poulets qui me font peur, moi je les tue. Un poulet, c'est pas censé faire. J'ai fait un alambic, tu peux aller le chercher sous moi. C'est pour ça que je suis parti chercher des... Non ! Aïe ! C'est pour ça que vous êtes parti chercher ma laine. Il était tellement bas que... Voilà. Je vais tout faire maintenant. Ah non, du coup, je vois du coup. Le champ, tu vois. Tu vois ce qu'il y a. C'est bon, je vais retrouver mes deux ennemis. Ah, je vais trouver du coup la lame. Non, mais j'ai mis sur mon père que j'ai mis un peu sur mon père. Ah, et ben, on fait plein de tours à la de quoi. Ils sont rapports, les gens, par contre. Ils sont très rarement qu'ils ont mis la foire. Ouais, il y a que les deux. Allez. Par contre, je vais mettre... Par contre, je vais mettre... Allez, c'est des petits fois. Il y a un charme. Et que je vais avec une tête pareille. Allez, dans mon photo. Eh oui, super, ça a plutôt trouvé un mec. C'est vrai qu'il va falloir croire parce que j'aurais pas fait un mec. Une de refaire. Très bien. On n'a pas d'autres bâtonniers en vie.
Non, je ne pense que d'en récupérer. T'as réussi à avoir le champignon. J'ai pas pu aller plus loin dans l'exploration du château. C'est parce que le donjon il était juste à proximité, donc j'ai pas pu plus. Juste le temps de récupérer un bâton de bien de terrain en bouche, mais après je vais pas prendre plus que ça. Donc là j'ai quand même plutôt un peu. Un peu de roulant, on est bien sûr. Et ce qu'on dit, c'est que c'est bien sûr. Non mais ça va pas bon. Action. Ouais. Donc je leur montre qu'il met des bouteilles d'eau. Et en fait il utilise un élément quelconque pour transformer des bouteilles d'eau. Si tu veux faire des potions Mundan, tu peux utiliser de la Redstone. Et donc il demande des champignons, c'est pour faire le deuxième type de potions préliminaires, c'est-à-dire les potions en foi. Bon, c'est assez long, donc pourquoi t'en as mis deux? Parce que j'en ai encore trois dans le livre. Combien ça me reste? Et bah, bien, on pourra continuer sur le début d'alchimie. On va continuer dans le prochain épisode. Il comptera pas de temps. Bon, vous, comme on le fait presque tous les jours, c'est vidéo, donc vous avez vraiment. Je vais prendre ce qui est fait, et les œils de l'araignée ne servent à rien. Ah bah chez nous, ils n'utilisaient jamais des araignées, ils n'ont plus des œufs négatifs. Ça c'est bon, mais non, foisonner les monstres adverses. Les champignons, c'est peut-être des œufs, c'est des marrons. Donc la vidéo, c'est les champignons du monde. Non, mais il y a un champignon qui est utilisé, c'est le rôle du marron. Bah, tu essayes les deux. Donc je vous montre avant. Ah, il y a aussi le sucre dans la vidéo. Donc des potions banales. C'est la retranscription de Mundan. Banane Mundan. Non, bah on va mettre un sucre banal. On va mettre un sucre comme ça. Non, ça marche pas. Non, c'est le sucre. Ah oui, c'est le gars du nez. Donc ça, c'est la poussière de pierre luisante. Et ben alors. Et quand il dit que ça fait que des effets négatifs, ça va vous faire des potions empoisonnées. Et avec ces potions empoisonnées, vous pouvez empoisonner vos adversaires. Seulement si vous transformez la potion de telle sorte qu'elle ne doit pas être vue et qu'elle doit être vendue. Donc ben, je vais aller chercher dans le sort. Moi, je vais aller te chercher pour qu'on puisse dire au revoir à ceux qui nous regardent et qu'on continuera dans le prochain épisode. Alors sur ce, voilà. Alors regarde la caméra, ben... Oui, je regarde la caméra avec ma sublime armure. Alors on vous dit au revoir et à bientôt pour l'épisode 10. N'hésitez pas à poster vos commentaires, à mettre un pouce vert. Et aussi à vous abonner à ma chaîne et celle de Benaor. Allez, mettez-moi ce succès.